Alors, salut tout le monde. Salut. Hello. J'attends. Voilà. Salut Seb. I am ready. Alors, afficher. Commence. Bonjour, Salut. bonjour. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Bien, très bien. Bienvenue à Reste à la Maison le musical. C'est un plaisir pour nous de t'avoir aujourd'hui en live avec nous. Merci. Tu m'entends bien? Oui, je t'entends bien. D'accord. Bon, pendant qu'on attend que les gens se connectent un petit peu, on va faire un petit tour technique. Je vais mettre le petit message que tu dois épingler. D'accord? Oh, ça marche. Donc, je mets le petit message qui va dire que nous sommes en live. Comme ça, tu peux l'épingler. Ok. Normalement, il va arriver. Donc, tu Ouais, dois juste te je toucher sur vois. le message. Épingler le commentaire, c'est bon. Voilà. C'est fait. Bravo, Jade. Donc, ça va, ça se passe bien le confinement pour toi? Oui, ça va. Je mets à profit ce temps pour faire de la musique, pour faire plein de choses en fait. Donc, ça va, je m'ennuie pas. Très bien, super. Donc, on attend un petit peu, tu vois, que les gens se connectent avant que je te présente, on commence à parler un petit peu de toi et pourquoi tu es aujourd'hui ici avec nous dans Reste à la Maison le musical. Il y a des gens qui commencent à se connecter. Ceux qui se connectent, n'hésitez pas aussi à poser des questions. Vous savez, en bas de votre écran, un petit signe des questions. Vous pouvez appuyer là pour poser des questions à Jade et après, on pourra les afficher. Comme ça, tout le monde peut partager les questions et les réponses. Donc, n'hésitez pas à envoyer des questions si vous avez des questions pour Jade. Moi, c'est vrai que je dois dire que mon confinement se passe plutôt pas mal. Je suis dans un lieu où il y a un jardin magnifique, donc je profite du soleil. J'ai de la chance. Donc, aujourd'hui, on a Jade Boinet avec nous. C'est ça, Boinet, c'est ton nom de famille? Mon Super. Jade Boinet, qui fait partie du spectacle Noé, la force de vivre, la comédie musicale, qui aura lieu en novembre 2020. C'est ça, tu me corriges si je me trompe. C'est ça. Donc, commence à nous raconter un petit peu, Jade, déjà, tu as passé un casting, une audition pour ce spectacle, ça a été, on t'a contacté pour le faire. On m'a proposé de passer l'audition, en fait. C'est ma prof de chant, Léa. Coucou Léa, elle me voit d'ailleurs. D'accord. Elle m'a parlé de cette audition. Et donc, j'ai passé l'audition. J'avais encore jamais fait de théâtre. Et donc, je me suis entraînée au théâtre, chez moi. Voilà. Et j'ai passé les auditions et j'ai été prise. Et c'était juste enfin, incroyable, quoi. Que c'est mon premier spectacle, en fait. Génial, super, Voilà. un jeune talent qui va rentrer au milieu de la comédie musicale tout de suite dans un grand spectacle, parce que c'est un grand spectacle, il y a plusieurs personnes sur scène, il y a quand même une mise en scène de Johan Nus, c'est ça, qui fait la mise en scène, avec des chorégraphies de Valérie Massé, donc des personnes qu'on connaît, qu'on embrasse et qu'on passe. Si ça bloque à un moment donné, voilà, il faut juste. Voilà, très bien, Jade. On t'est perdu un petit peu, mais si ça bloque à nouveau, il faut juste pas toucher avec le doigt l'écran et ça se remet en ligne. Et j'ai dit pour les personnes qui sont en train de regarder, si à un moment donné ça bloque beaucoup, vous fermez et vous revenez. D'accord? Vous fermez et vous revenez sur le live et vous allez perdre juste un mot peut-être, mais ça va revenir tout de suite. C'est vrai que les connexions en ce moment, il y a beaucoup de live dans l'univers, vu qu'on est tous enfermés, on fait beaucoup de lives, donc il y a beaucoup de connexions. Donc il faut avoir un petit peu de patience. De toute façon, j'informe les gens que le live, il reste 24 heures, donc n'hésitez pas à partager avec le petit avion que vous avez en bas. Vous partagez à tous vos contacts, comme ça tout le monde peut découvrir Jade et ce qu'elle va nous raconter du spectacle Noé, La force de vivre, comédie musicale qui aura lieu en novembre 2020. Donc, Jade, toi, tu as le rôle des Lucinés, c'est ça? Exact. D'accord. Et c'est quoi ce rôle? Raconte-nous un petit peu l'histoire, quelque chose autour du spectacle. Alors donc le spectacle, c'est l'histoire de l'Arche de Noé adaptée en musical.
Et Tout en à fait. donc moi, j'incarne l'usinée qui est la belle-fille de Noé. Et c'est un personnage qui rêve, en fait, elle rêve de star, elle rêve de des paillettes, de voilà, d'une vie de rêve. Et en fait, elle veut quitter l'arche pour vivre sa vie, quoi, la vie de ses rêves. Et c'est un personnage qui est très attachant, qui est désinvolte, qui est solaire. Ouais, voilà. D'accord, super. Le 5 novembre prochain. Bah, voilà. C'est quand la date alors tu dis-nous la date encore? Le 5 novembre à l'Hippodrome de Longchamp. D'accord, on espère pouvoir être là tous pour voir la première de Noé, la force de vivre dans une mise en scène donc de Johannes, chorégraphie de Valérie Massé. Et par exemple, Jade, quand tu m'as raconté que ça va être ta première comédie musicale, oui. Et déjà petite, avant tu avais déjà regardé des comédies musicales, est-ce que c'était quelque chose que tu aimes et qui t'a inspiré aussi pour chanter, pour faire du théâtre? Alors, effectivement, moi, le milieu de la comédie musicale, je ne le connaissais pas énormément, mais j'avais déjà vu des spectacles musicaux dont Résiste en France, D'accord. La couleur pourpre aux États-Unis, Once in This Island aux États-Unis aussi, à New York. Et c'est des spectacles qui m'ont marqué. Et c'est vrai que le premier spectacle que j'ai été voir, donc, je me rappelle, c'était à Marseille. Et quand j'ai été voir ce spectacle, donc, je n'avais pas encore démarré mes études dans la mode. Et j'ai dit à mes parents, mais en fait, c'est ça que je veux faire. Je veux arrêter toutes mes études et je veux faire ça. Je veux être sur scène et faire de la comédie musicale, pourquoi pas un jour. Parce que j'ai toujours voulu être chanteuse, mais c'est vrai que la comédie musicale, ça m'est venu plus tard, on va dire. C'est tellement complet qu'on a envie d'apprendre un peu toutes ces choses, chanter, danser, jouer pour pouvoir partager tout ça sur scène. C'est vraiment quelque chose de magnifique de pouvoir le faire et c'est pas donné à tout le monde hein, parce que c'est vrai qu'en France, si existe depuis très longtemps l'opérette et tous les spectacles musicaux, la comédie musicale américaine, à la forme américaine de chanter, danser, faire des claquettes, des acrobaties, c'est quelque chose d'assez nouveau. Donc c'est vrai que les jeunes comme toi, ils découvrent aussi une nouvelle façon de s'exprimer. Oui. Et j'ai entendu, là tu nous as dit un petit peu de ton parcours aussi en tant que mannequin. Donc tu avais fait une école de mannequin. Tu peux nous raconter un petit peu ton parcours artistique jusque là avec la comédie musicale? Alors moi en fait je suis styliste et mannequin. D'accord. J'ai démarré ma carrière de mannequin à 19 ans quand je suis arrivée à Paris et j'en ai 22. Et en parallèle donc de mes études de styliste. Ça fait depuis juin que je suis diplômée. Après, j'ai travaillé en tant que styliste de broderie. Et donc, après, j'ai arrêté mon travail de styliste de broderie pour me consacrer à la musique à temps plein. Et du coup, je fais du mannequinat à côté. Voilà. Super. Et dans la musique, là, quand tu parles de que tu t'es lancé à la musique, est-ce qu'il y a eu des chanteurs qui t'ont inspiré? Et t'as, par exemple, où tu as pris un peu de cet univers-là, est-ce que tu as eu des chanteurs un peu préférés dans ton... Des chanteurs que tu aimes, par exemple, beaucoup? Alors, franchement, j'en ai pas mal, mais y a beaucoup des femmes, en fait, qui m'ont inspirée. D'accord. Et qui m'ont donné envie d'être une artiste, notamment Alicia Keys, parce que voilà, c'est une femme qui énormément. Ça fait un peu cliché, mais vraiment Alicia Keys, que voilà, je suis aussi une musicienne et moi aussi je joue du piano, donc je m'accompagne au piano et c'est vrai qu'Alicia Keys, c'est un modèle pour moi. Après, il y a Lauryn Hill dans son univers soul et reggae, j'adore ces influences-là. Comme je suis originaire de la Martinique, et donc la musique caribéenne et le reggae, qui est de la musique des Caraïbes, c'est une musique qui m'inspire beaucoup et j'aime beaucoup ce style-là aussi. Super. Et d'ailleurs, comme tu viens de le dire, tu t'accompagnes au piano. Est-ce que tu fais aussi des compositions? Est-ce que tu crées aussi des chansons toi-même? J'écris mes chansons, je compose au piano et j'espère pouvoir faire un projet d'ici l'année prochaine, un projet perso. Génial. Et en parlant de compositions, c'est quel style de musique dans le spectacle Noé, la force de vivre? Alors, le style de musique dans le spectacle, c'est un style de comédie musicale, mais je dirais que ça se rapproche de la pop, je sais pas trop. D'accord.
Ouais. Oui. Avec des rythmes assez. Des rythmes assez. Je sais pas comment dire ça. Enfin, c'est assez rythmé en fait. C'est assez rythmé. D'accord, on Ouais. va découvrir à partir du 5 novembre. En hâte de venir découvrir ce spectacle Noé, la force de vivre, dont Jade fait le rôle des Lucinées. Et tu as des solos, chansons, tu chantes plusieurs chansons du spectacle? Alors pour l'instant, j'ai un solo qu'on m'a fait écouter, que j'ai pu bosser avec ma prof de chant. Mais pour l'instant, il n'est pas encore sorti. Et il y a le premier single, Terre, qui est sorti et que vous pouvez aller voir sur YouTube. On tape Terre Noé, et D'accord. qui est magnifique d'ailleurs avec le clip, et qui délivre un message qui est plus que jamais dans l'actualité aujourd'hui avec ce qu'on vit. Génial, parce qu'il faut dire quand même que c'est en stade de création aussi, Noé, le spectacle. Donc il y a des personnes qui ne sont pas encore. Les noms, ils ne sont pas encore donnés, non? Des quelques rôles, il y a tous les rôles déjà de prévus dans le spectacle. Pas encore. En fait, le premier clip qui est sorti, il n'y a pas tous les personnages, effectivement. Il me semble que sur le site, il y a déjà tous les noms, mais je ne suis pas sûre. Ouais, je crois que je regardais tout à l'heure, il manque quelques-uns encore que c'est pas à dévoiler. Donc il va falloir attendre un petit peu pour savoir les noms d'autres interprètes qui, je crois qu'il y a les rôles principaux, mais quelques petits rôles, deuxième rôle qui sont pas encore affichés. Donc rendez-vous sur le site internet de Noé, La Force de Vivre, pour découvrir tous les artistes qui vont faire partie de ces merveilleux. A l'air d'être un merveilleux spectacle parce que le visuel que je regardais, les photos, les maquillages, les costumes, ça a l'air très, très, très beau. Donc, j'espère qu'on aura la chance de le voir bientôt, bientôt. Et heureusement que c'est en novembre. J'espère que d'ici là, le confinement sera fini et qu'on sera tous à la normalité à nouveau, qu'on pourra sortir à nouveau pour aller au spectacle et applaudir des artistes de la comédie musicale. Donc, Jade, est-ce que tu as envie de nous chanter quelque chose aujourd'hui? Ah bah oui, carrément. Carrément. Super. Vas-y. Très bien. Donc, ce qu'on va faire pour que la connexion soit meilleure, Oui. je vais partir du live pour te laisser un petit peu. Fais comme à la maison, c'est ça, c'est tranquille. Jade, on est à la maison, il n'y a aucun souci. Donc, tu nous chantes la chanson et je reviens après. Tu te demandes à nouveau pour qu'on soit ensemble et on discute encore un petit peu. D'accord? Ok, ça marche. Donc, je Merci. vous laisse avec Jade. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter comme première chanson? Alors, comme première chanson, donc le premier single Terre du spectacle, pour que vous puissiez le découvrir si vous ne le connaissez pas encore. Voilà, je vous fais un extrait et si vous l'écoutez en anglais, vous pourrez aller voir sur YouTube ou sur toutes les plateformes. Il est partout. D'accord, super. Donc, alors, je pars, mais je vous laisse avec Jade Boinet du spectacle Noé, la force de vivre avec la chanson Terre. Merci beaucoup. C'est parti. Alors.
un point de fuir. Je vais pousser mes combats contre le toit. Extrait de terre. J'espère que ça vous a plu. Et je vais vous faire d'autres chansons que j'ai préparées. Alors, si jamais vous avez des suggestions de chansons que vous aimez bien, vous pouvez les mettre en commentaire. Je vais commencer par une chanson de Indy Harry qui s'appelle Get It Together et que j'aime beaucoup. C'est parti. I shatter your heart with love, breaking your skin. No matter the parts, you hurt you like a king. Didn't even wanna admit it to yourself. And now your chest burns in your bright day. From 15 years of holding the pain, and now you only have yourself to blame if you continue to live this way. Get it together, I wanna heal your body. Get it together, I heal your heart. Whatsoever is all you will be. Get it together. You can fly, 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 fly. You can fly, 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 fly. That's what they say. I'm just telling you if I ain't alive today. Cause I'm being with you for you and with me pain. A miracle child, I'm going on the cloud. You're the one to come along, mama. You're the first to hear. It's because of you and you will be there. No matter what anybody says, what matters most is what you think of yourself. Get it together, wanna heal your body. Get it together, you have to heal your heart. Whatsoever you saw, you will be. Get it together. Get it together.
Get it together et merci pour tous vos commentaires, ça fait plaisir. Merci d'être là. Alors, qu'est-ce que je pourrais faire comme chanson? Il y a une chanson de Whitney Houston que j'adore qui s'appelle Run to You. Et pour la petite anecdote, en fait, c'est une chanson que j'ai chantée pour une audition. C'était l'audition pour le musical The Bodyguard que j'ai préparé avec Léa Ivan, qui est ma coach vocale. Et donc, c'était ma première audition pour une comédie musicale. Et donc, voilà, pour la petite anecdote. Donc, je vous la chante. I need you here to wipe away my fear, to kiss away.
Run to You, merci beaucoup. Et si vous avez des suggestions de chansons que vous voulez que je chante, vous me dites. Merci pour les commentaires, ça fait trop plaisir. Merci Léa. Alors, je vais vous en faire une. Qu'est-ce que je pourrais faire? Je vais vous en faire une en français pour changer un peu. C'est une chanson que j'aime beaucoup de Henri Salvador et elle s'appelle Jardin d'hiver. Je voudrais du soleil vert, des dentelles et des photos de bord de mer dans mon jardin d'hiver. Je voudrais de la lumière comme en Nouvelle-Angleterre. Je veux changer d'atmosphère dans mon jardin d'hiver. Ta robe à fleurs sous la pluie de novembre, mes mains qui courent, je n'en peux plus de t'attendre. Bravo! Merci, merci pour sa merveilleuse voix et ces jolies chansons que tu nous as interprétées. On rappelle à tout le monde qui regarde que Jade Boinet jouera dans le spectacle Noé, la force de vivre à partir de novembre 2020. Ça va se jouer à l'Hippodrome de l'Enchant. C'est un spectacle, grand spectacle musical mis en scène par Johan Nuss avec chorégraphie de Valérie Massé et l'auteur, compositeur, créateur et producteur de spectacle, c'est quelqu'un qui joue aussi le premier rôle, c'est ça? Oui, exact. Et qui s'appelle? Essaye. Essaye Altounian. Voilà. Et on va citer un petit peu tout le monde, comme ça tu vois, tout le monde sera content. Il y a des paroles des chansons d'Eléa Yvonne, si je me trompe, tu me dis. Léa Ivan, pardon, ouais. Moi avec mon accent argentin, tu vois, parfois j'ai dit n'importe quoi, donc tu me corriges, hein, y a pas de problème. Donc c'est avec des costumes de Virginie H, scénographie d'Emmanuel Favre, et voilà, la directrice des castings était Laurence Guillet, et la coordination artistique de Carla Stark. Donc voilà, toute l'équipe des Noé, la force de vivre, spectacle musical qui aura lieu à l'Hippodrome de l'Enchant à partir de novembre 2020. On aura la chance de revoir, parce que là, on découvre Jade dans Rester à la Maison le musical, mais là, on pourra la voir en live, en direct au théâtre. Donc, n'hésitez pas à regarder après sur Internet, à la suivre dans son Instagram. Vous allez ici, en bas,
Jade Cléopatra. Vous pouvez la suivre sur son Instagram aussi pour savoir son actualité. Et avant de finir, Jade, je voulais te demander si tu voulais faire une dernière chanson. Oh ben bien sûr, avec plaisir. Donc très bien, je vais te laisser toute seule pour la dernière chanson. À la fin, tu as juste voilà, à fermer et à faire attention qu'en haut à droite, il va te demander si tu veux garder la vidéo. Tu mets oui, tu veux garder la vidéo, comme ça, elle va rester en live pendant 24 heures. Et je rappelle aux gens que s'ils veulent regarder les lives, mais les 24 heures se sont passées, tous les lives sont mis après dans une chaîne YouTube qui s'appelle Reste à la maison le musical. Vous pouvez la trouver dans la bio de la page de Reste à la maison le musical de Instagram. N'oubliez pas que demain à 15h, il y a Damien Duré qui chante en live et à 19h, Tatiana Matre, deux artistes issus de la comédie musicale. Donc n'arrêtez pas les artistes et soyez au rendez-vous. Merci encore une fois, Jade. Bravo. Tu es très très belle, tu es une merveilleuse voix. On te souhaite un très très bon avenir et un très bon succès avec ce spectacle Noé, la force de vivre. Merci encore une fois. Je vous laisse avec la dernière chanson de Jade. Merci. Merci. Alors, c'est parti. Je vous en fais une dernière. Alors, alors, c'est une chanson que je trouve magnifique. Bon, c'est une chanson triste, elle n'est pas très joyeuse. Mais pour moi, elle a vraiment, symboliquement, elle est très, très puissante. Ça s'appelle Rise Up de Andrade. Et cette chanson, elle décrit en fait... à quel point on peut renaître, en fait, malgré les choses difficiles qu'on vit, et ben on se relève et on avance. Voilà. C'est parti. Broken down and tired, I live a life on a merry-go-round. You can find the fighter, but I see in you. So we're gonna walk it out. Ooh, mountains. We're gonna walk it out. Ooh, mountains. And I rise up, rise like the day. I rise up, I rise unafraid. Bye.
Merci beaucoup, merci d'avoir été là et d'avoir suivi ce live, c'était un réel plaisir pour moi. Merci, merci Seba, c'était super et je vous embrasse fort, vraiment. Et à bientôt en novembre sur la scène de l'Hippodrome de Longchamp pour le spectacle Noé, la force de vivre. Salut.